Quand Dieu dit, quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Combien peuvent dire qu'ils n'ont pas été déçus? Mais pourquoi on est déçu? Parce que c'est dans le fond. Si tu es déçu, il faut être convaincu, ça veut dire que tu n'étais pas appuyé sur le rocher. Celui qui met sa confiance en Dieu ne peut pas être déçu. Quand tu as la foi, on ne peut pas te décevoir. On ne peut pas te décevoir parce que tu n'étais pas fié. Mais tu as fait confiance en Dieu. Et tu as fait confiance dans ce que Dieu t'a dit sur la personne. Donc même si elle a fait une erreur, tu te dis, Dieu ne s'est pas trompé. Pourquoi Jésus a continué de croire en Pierre? Parce qu'un jour, il a prié toute la nuit. Et Dieu lui a dit, lui là, je vais changer le monde à lui. Donc, que Pierre le renie, que Pierre change d'avis. Il ne se fie pas à Pierre. Qu'est-ce que le Père lui a dit concernant Pierre? C'est ça. Ce que je viens de te dire, l'homme que tu es en train de vouloir, ton mari, ta femme là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit, c'est l'homme de ta vie, même s'il est bizarre, parce que tu as confiance en Dieu, il peut trébucher, mais il va se relever pour honorer ta foi en Dieu. Quand Dieu te dira, ton entreprise, rien ne l'arrêtera. Quand le gouvernement, les royaumes, les puissances se lèveront pour dire tu vas fermer, comme tu ne te fies pas dans leurs propos, tu te mets ta confiance en Dieu. Tu sais qu'ils ne sont pas plus grands que Dieu, malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils annoncent. Vous savez, quand vous vous fiez dans les autorités, vous vous fiez. Je n'ai pas dit de ne pas. Il faut honorer les autorités, il ne faut pas te fier à elles. Il faut honorer les hommes, mais ne te fie pas aux hommes. Aime l'un, pardonne à l'autre, fais ceci, fais cela, c'est tout. Mais la confiance, là, je ne vois pas le passage, il a dit mets ta confiance dedans. La notion de confiance, il se l'est donné à lui seul. Il dit ton projet, tu l'aimeras comme toi-même. C'est pourquoi il dit il faut lui pardonner. Parce qu'il sait que toi comme moi, là, on fait des gaffes. C'est pour ça qu'il nous a aimés. Pour nous changer, pour nous transformer. C'est parce qu'on se fie en Dieu qu'on est capable de pardonner, qu'on est capable de croire dans des personnes. Quand Dieu m'a commencé à me faire comprendre, souvent il y a des filles, les gens ils déconnent, ils font des bêtises. Je dis que le pasteur est trop découragé de moi. Je dis, c'est parce que tu ne sais pas l'école dans laquelle Dieu m'a fait passer. Dieu m'a montré que moi-même, je n'étais pas fiable. Donc je n'ai pas confiance dans la chair des gens. Ton attitude a été mauvaise. Je vais la condamner. Il faut changer. Mais quand je prie, puis tu me racontes ta vie, il y a une seule chose que je sais d'entendre. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Si j'entends, malgré tes erreurs, que Dieu dit dans mon esprit, c'est ma fille, je l'aime, je l'ai choisie. Ce que tu vas faire, ça ne va rien me dire. Parce que ce qu'il a dit, il va le faire. C'est comme ça que tu dois vivre par la foi. C'est cette vie de foi là que tu dois vivre par la foi pour ton mari, pour tes enfants. Quand ton enfant même peut tomber malade, les médecins peuvent dire ceci. Tu ne te fies pas, tu te fies à Dieu. Ce garçon là, Dieu t'a dit quoi? Il t'a dit papa, dit. Il t'a dit quoi? C'est cet élément là qu'il faut aller chercher auprès de Dieu. Et si tu le trouves, ta vie est paisible. Le calme, la protection de Dieu, la paix de Dieu, quels que soient les vents, les marées, les problèmes qui peuvent survenir autour de toi, ce qui fait, c'est parce que tu crois. Il y a un repos en Dieu. C'est-à-dire, tu es dans une dimension où il y a un calme. Tu es calme. Tu es au repos. On dit, tu viens de perdre ton travail. Tu es au repos. On dit, tu es au repos. Parce que tu as une promesse. Ça ne veut pas dire que tu ne travailles pas. Ça ne veut pas dire que tu n'œuvres pas. Ça veut dire que simplement tu es dans le repos de Dieu. Écoute-moi, je parle à une personne à qui on a dit, on va te chasser, on va faire ceci contre toi, on va détruire ta vie. Mais Dieu dit, ne te fie pas à eux. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir de parler, mais ils n'ont pas le plan pour accomplir. Fie-toi à moi. Moi, je dis, je te garderai, je te protégerai. Si tu mets ta confiance, si tu te fies à leurs propos, tu seras rempli de peur, tu seras rempli de crainte. Tu vas anticiper ton futur avec angoisse. Ça veut dire que tu te fies dans leurs propos. Mais ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Il te dit, mon fils, ma fille, fie-toi à moi. Écoute ce que j'ai dit. Je t'ai dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Je t'ai dit, je ne te laisserai pas orphelin. Tu as un Père qui est dans les cieux. Tu as un Père qui est dans les cieux. Si tu es tombé, je vais te relever. Si tu as trébuché, je vais te relever. Si tu as fait des erreurs, humilie-toi, demande-moi pardon. Je vais te prendre par la main et je te conduirai à bon port. Tu ne resteras pas dans la mer. Tu ne resteras pas dans l'humiliation. Car je te relève, je t'affermis et je te conduis à bon port. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père pour ta parole. Merci pour toutes choses. Tu vois une personne qui a fait quelque chose ou qui a une attitude qui est négative. Et tu n'as pas le courage d'aller vers elle pour dire, mon ami, ce que tu as dit ou ce que tu as fait, Dieu n'apprécie pas. Il faut te répondre. Il faut changer. Tu ne pries pas pour la personne. Tu ne lui dis rien.
Mais ce jour-là, tu la classes dans ton placard de ton cœur. Ce gars-là, c'est comme ça, il est mauvais.